Let's go. You should always stay focused. C'est la finale. Finale de la NBA. NBA Finals. Yes. Faites vos choix, guys. Faites vos choix, man. Miami. Los Angeles. Jimmy Buckets. LeBron James. LeBron James. So who you got? So, on a commencé le 3 contre 3. Ballers and Ballerettes. On a commencé le 3 contre 3 à l'intérieur. Comment c'était? C'était... Ça a fait du bien. On va le dire comme ça pour de vrai. Comme ça a fait du bien. Ça a fait du bien de revoir les gars. Ça fait du bien d'être à l'intérieur. Ça a juste fait du bien de ball. Parce que dehors, on sait, c'est fini. Fait que juste le fait d'avoir un petit basket, jour 1, 3 contre 3, ça a fait du bien, le hype était là, tout le monde était chaud, parce qu'on était de retour. Je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, parce que aujourd'hui on est mardi le 29, fait que pour ceux qui ne savent pas, hier, mais on a été déclaré en alerte rouge. Avec la COVID, donc pour l'instant les centres sportifs, on n'a pas eu de feedback à savoir si on est ouvert ou si on est fermé. Donc demain, moi je suis supposé être là-bas, je sais pas si je vais être là-bas, j'ai pas eu de confirmation encore, mais bref, j'ai quand même pu avoir mon jour 1 et mon jour 2. On verra pour demain si tout se passe bien. Donc, si on parle basket là rapidement, mais c'est 3 contre 3, j'ai été blessé. Jour 1, j'ai été blessé parce que j'ai joué avec The Great Zeno. The Great Zeno, shout out to Zeno. Mais Badman Zeno, man. Pour faire une explication, guys, en rapport à moi, ok? Moi, je suis un gym rat. Comme on dit, un rat du gym. Moi, je suis dans le gym tout le temps. Pas musculation, mais je suis dans le gym pour toujours pratiquer le basket. Moi, c'est pour que je puisse garder mon mind sharp. Quand il s'agit de monter sur le terrain et de jouer au basket, faut que je m'entraîne tout le temps. Faut tout le temps que je traîne. Juste pour garder les bases sharp, les fundamentals, faut que ça reste sharp. La shot, faut que ça reste sharp. Fait que je dois tout le temps être sur un terrain. Pour moi, c'est ma caractéristique, c'est que je suis tout le temps dans un gym en train de pratiquer. Fait que si demain je joue, puis exemple là, mais j'ai pas eu une bonne performance, mais le réflexe que je vais avoir, c'est le lendemain, je suis dans le gym, puis pratique, encore, on shoot, on train, on dribble, les up, jusqu'à ce que, comme ça, prochaine fois que je retourne sur le terrain, il faut que ça soit automatique. Il faut tout le temps que je sois sharp. Moi, c'est comme quasiment c'est mental. Mais quand je dis mental, c'est maladif. Moi, je dois tout le temps être sur le terrain à pratiquer. Je suis un gym rat. J'ai toujours été comme ça. Ça va pas changer. De l'autre côté, mais c'est justement comme Zeno, ça a l'air comme si c'est facile. Il se réveille le matin et puis bucket. Dans l'après-midi, bucket. Puis quelque part avant la journée encore, bucket. Il y a des joueurs comme ça où est-ce que pour une raison X, c'est naturel. Dans son cas, lui, vous allez le voir, ça a toujours l'air facile. He makes it look easy. Puis, honestly, moi j'adore jouer avec Zeno. C'est ce qu'on dirait que c'est son... Comment je pourrais dire, sa compréhension du basket est à un autre level. De toute façon, le gars, il joue pour son pays. Fait que le gars, c'est comme on dit, c'est pas un 2 de pique. On s'entend là. Faut donner le props, parce que le props, c'est dû. Donc, hey, en plein avec Zeno, c'est merveilleux. Tu le regardes shooter des fois, t'es comme... Et je suis avec Batman, the great Batman, Steve-O. Steve-O est là aussi. Et s'il y a quelque chose à dire, à chaque fois que je dis par rapport à Steve-O, c'est « You can't stop what you can't see. Too fast, too furious. » Fait que ça, c'est jour 1. On a brisé la glace. C'était
C'était merveilleux pour un jour 1. Fait que je vais rouler la tape, guys. Je vais pas vous retenir plus longtemps que ça, man. Entre-temps, vous connaissez la manœuvre, guys. Like, commentaire, on s'inscrit à la page. Le love est là. Puis si jamais il n'y a plus de basket pour le confinement partout, mais le love va toujours être là. On va trouver autre chose, puis on va continuer à se parler. Alright? So, je roule la tape, guys. 3 contre 3, day one à l'intérieur. Let's go!